Lecture du livre d'Isaïe le prophète. Lève-toi, resplendis, Jérusalem, car elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité couvre les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève, et sa gloire paraît sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux tout autour et vois, tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils viennent de loin et tes filles surgissent de tous côtés. Alors tu verras et tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Car vers toi afflueront les trésors de la mer, les richesses des nations viendront jusqu'à toi. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous ceux de Saba viendront apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii secundum Matteum. Jésus étant né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Apprenant cela, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et les scribes du peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui dirent, à Bethléem de Judée, car voilà ce qui est écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua secrètement les mages, et il leur fit préciser le temps où l'étoile avait paru. Puis les envoyant à Bethléem, il dit « Allez vous informer avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, afin que moi aussi j'aille l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait, pour s'arrêter enfin au-dessus de l'endroit où était l'enfant. En voyant l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils l'adorèrent. Ouvrant leur trésor, ils lui offrirent comme présent l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, instruits en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc vous voyez l'épiphanie, épiphanein, briller sur. Le Seigneur vient briller sur nous. Il se lève. Et il nous éclaire. C'est ce qu'on entend dire, vous voyez, dans le livre d'Isaïe. Mais sur toi, le Seigneur se lève et sa gloire paraît sur toi. Il te flash à partir du haut. C'est cela l'épiphanie. C'est ce qui arrive au roi mage. Et c'est ce qui arrive, d'après le livre d'Isaïe, aussi à Jérusalem. Jérusalem se trouve illuminée par le Seigneur. Elle est éclairée par lui. Elle bénéficie de l'épiphanie, de cet éclaircissement. Et c'est ce que nous sommes invités à vivre chacun. Voilà ce que dit un psaume. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Pour que le bonheur soit connu par nos frères humains, il faut que nous nous laissions éclairer par le Seigneur pour qu'ensuite nous puissions refléter son visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. C'est une très belle phrase. Et donc Jérusalem se fait éclairer par Dieu, et voilà que Jérusalem va à son tour éclairer les peuples. Vous voyez ce qu'on dit d'elle ? Tu seras radieuse, vers toi afflueront les trésors de la mer, tous ceux de Saba viendront apportant l'or et l'encens. Donc il arrive à Jérusalem, ce qui était arrivé à celui qui éclairait, le Seigneur, puisqu'elle éclaire à son tour. Elle reçoit la visite des peuples qui lui offrent la même chose, sauf qu'il n'y a plus de myrrhe, vous voyez. Et cela est très rassurant, parce que la myrrhe, c'était un cadeau de mauvais augure. Souvenons-nous, la myrrhe, c'est un parfum mortuaire.
quand les apôtres, quand les rois mages ont offert la myrrhe, eh bien, ils signifiaient à Jésus qu'ils savaient qu'il était apte à mourir, puisque c'est un parfum mortuaire. Ils signifiaient sa mortalité, son humanité. À notre tour, parce que nous sommes laissés éclairer par le Seigneur, nous éclairons et nous recevons des cadeaux, les mêmes, sauf la myrrhe. Voyez. Donc on a tout à gagner à faire oraison, à entrer dans ce face-à-face avec le Seigneur, à nous faire éclairer par lui, pour qu'ensuite on puisse éclairer à notre tour et être gratifié de tout un tas de choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.